comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité, il nous ouvre la vie. Criez de joie, Christ est ressuscité, il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité, il nous ouvre la vie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous voici rassemblés ici, dans cette chapelle des apparitions, au-delà de tout ce que nous avons pu faire pour venir ici, c'est toujours le Seigneur qui met tout en œuvre pour nous rassembler, pour que nous puissions être à son service, pour que nous puissions ouvrir nos cœurs. Et certainement, ici, à Fatima, Marie nous aide et nous accompagne dans cette démarche que nous faisons. Entrons dans cette lumière de Pâques qui s'est ouverte dimanche. Entrons dans cette Eucharistie en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Et en ouvrant nos cœurs à cette résurrection du Christ, à son amour infini et miséricordieux. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Seigneur élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria.
Maria in excelsis Deo, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu, qui nous a fait passer de la mort à la vie en nous offrant les sacrements de Pâques, poursuis toujours l'œuvre de ta grâce, que ton peuple trouve une liberté parfaite et parvienne à la joie du ciel dont tu lui donnes déjà le goût sur la terre. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre disait à la foule « Que tout le peuple d'Israël en ait la certitude. Ce même Jésus que vous avez crucifié, Dieu a fait de lui le Seigneur et le Christ. » Ceux qui l'entendaient furent remués jusqu'au fond d'eux-mêmes. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit « Convertissez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser, au nom de Jésus-Christ, pour obtenir le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. C'est pour vous que Dieu a fait cette promesse, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, tous ceux que le Seigneur, notre Dieu, appellera. » Pierre trouva encore beaucoup d'autres paroles pour les adjurer, et il exhortait ainsi. Détournez-vous de cette génération égarée et vous serez sauvés. Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre se firent baptiser. La communauté s'augmenta ce jour-là d'environ 3000 personnes. Parole de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leurs espoirs en son amour pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia.
Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Marie-Madeleine restait là, dehors, à pleurer devant le tombeau. Elle se penche vers l'intérieur, tout en larmes, et à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé, elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui demandent : « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répond : « On a enlevé le Seigneur, mon maître, et je ne sais pas où on l'a mis. » Tout en disant cela, elle se retourne et aperçoit Jésus qui était là. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Il lui demande : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Le prenant pour le gardien, elle lui répond : « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et moi, j'irai le reprendre. » Jésus lui dit alors : « Marie. » Elle se tourne vers lui et lui dit : « Rabouni », ce qui veut dire « maître » dans la langue des Juifs. Jésus reprend : « Cesse de me tenir. Je ne suis pas encore monté vers le Père. Va plutôt trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples : « J'ai vu le Seigneur et voilà ce qu'il m'a dit. » Acclamons la parole de Dieu. Je voudrais attirer votre attention sur ce que vit Marie-Madeleine au tombeau lorsqu'elle rencontre Jésus. Il lui arrive une chose surprenante. Bien sûr, elle rencontre le ressuscité. Mais d'une certaine manière, cela la met dans tous ses états. Tout d'abord, lorsqu'elle le voit pour la première fois, qu'elle l'entend, elle se retourne une première fois. Elle est face à lui. Elle ne le reconnaît pas. Elle le prend pour le gardien, pour le jardinier. Elle est encore dans la mort. Elle n'a pas compris ce qui s'était passé. Et puis Jésus l'appelle par son nom, Marie. Et là, elle se retourne une deuxième fois. Mais comment fait-elle ? Comment fait-elle puisqu'elle est déjà face à lui ? Certainement que ce retournement est le signe de ce retournement
intérieur auquel on ne peut pas échapper lorsque l'on rencontre le Christ. D'une certaine manière, dans nos rencontres avec le Christ et avec le Christ ressuscité, il y aura toujours ces deux moments. Ce premier moment où on découvre qu'il est là, présent à nos côtés, et on en est heureux, même si on ne comprend pas bien tout ce que cela signifie. Mais on sait qu'il est là, alors on le suit. Et puis il y a ce deuxième moment. Où le Christ nous invite à nous convertir profondément, au fond de notre cœur, pour y chercher la source de tout amour, qui n'est autre que lui-même, présent en nous. Et c'est ce qui arrive à Marie. D'une certaine manière, c'est ce qui m'est arrivé à Fatima. Quand j'ai décidé d'être prêtre, ou plutôt avant de décider d'être prêtre, lorsque je cheminais encore, la Vierge de Fatima est entrée dans mon histoire. Et finalement, c'est elle qui m'a amené vers le Christ. C'est grâce à elle que j'ai pu répondre ce oui qui a fait de moi un prêtre. Et puis aujourd'hui, alors que je suis là avec ma famille pour fêter mes 50 ans, passé de quelques jours maintenant. 50 ans, ce n'est pas rien. C'est, dans la Bible, c'est le jubilé. C'est le moment où Dieu refait toute chose nouvelle. Et Dieu a fait toute chose nouvelle aussi dans mon cœur. Et me voici ici, au pied de la Vierge de Fatima. Ce n'est pas un hasard. Certains ont du mal à croire parce qu'ils ne voient pas de signes. Moi, j'ai l'impression d'en voir trop. Marie est là pour nous accompagner sur ces chemins de conversion, comme elle avait accompagné ses trois petits bergers, comme elle accompagne chacun d'entre nous qui venons ici. Alors sachons, comme Marie-Madeleine, non seulement rencontrer le Christ, mais nous laisser retourner au plus profond de notre cœur, par lui, pour y découvrir la lumière de la résurrection, cette lumière qui nous remet debout, qui nous rend libres, libres d'aimer au-delà de toute espérance, libres aussi de pardonner. Et demandons à Marie, la Vierge de Fatima, de nous accompagner comme elle a su accompagner Hyacinthe, François et Lucie, de nous accompagner sur nos chemins de conversion, sur nos chemins de Pâques. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes et qu'il découvre ceux qui demeurent toujours par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et, dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. » Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous,
Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Hyacinthe, Saint François et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église, au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Souviens-toi de ceux que tu as fait renaître en cette fête de Pâques de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés, pour nos frères défunts, pour Jacques Collignon, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tout ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons redire en toute confiance cette prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes, pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ressuscité avec le Christ, recherchons les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ assis à la droite de Dieu. Alléluia.
poursuivons notre action de grâce. Écoute notre prière, Dieu Tout-Puissant. Toi qui as donné à tes fidèles la grâce incomparable du baptême, prépare-les au bonheur éternel par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Et nous pouvons nous tourner vers Marie, notre mère, Notre-Dame de Fatima. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, amen, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia.